Roger Vachon, je suis de la communauté de Ouachat et je suis fier de le dire, je suis fier d'être Inuit. J'ai commencé à courir à 40 ans, j'ai 51 ans, donc j'ai 11 ans de course. Au début, c'était vraiment pour me mettre en forme parce que je faisais beaucoup d'embonpoint. Puis je me suis dit, il faut que je me prenne en main. Et j'ai commencé par ça. Je pensais jamais me rendre à faire des marathons, mais éventuellement, c'est sûr, en fil et oui. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, le corps a besoin de plus en plus de se dépasser. Et je pense que c'est ça que là, je suis rendu à faire des marathons. Et puis même là, je pense même à faire des ultra-marathons. Là, je viens de découvrir un nouveau sport qui est le triathlon. Et je commence à penser aussi, l'objectif final là-dedans, c'est l'Ironman éventuellement. J'ai commencé en fait en secondaire 2-3, je dirais à peu près à courir. Principalement pour la perte de poids, parce que dans le temps, ben, en tout cas, j'étais assez gros. Puis j'ai décidé de me mettre là-dedans, puis tout ça. Puis finalement, j'ai quand même assez aimé mon expérience. Je faisais ça, sortir dehors l'été, puis tout ça. Puis je courais aussi en dedans un peu, dans les marches, tout ça. Mais dehors, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là, le plein air un peu. Là, puis... Ça va faire 3 ans de ça que je cours, puis c'est mon conjoint qui a commencé. Puis c'est ça, je trouvais qu'il était un petit peu fou. J'étais enceinte de mon dernier. Puis c'est ça, puis à un moment donné, bien, j'ai décidé de commencer, puis j'ai vraiment aimé. C'est sûr, premièrement, c'est sûr que la température est idéale, dans le sens qu'on n'atteint jamais des grosses températures de 30 à ressenti courir sur la grosse chaleur. Parce que courir dans la grosse chaleur, c'est pas quelque chose de facile. C'est très, très difficile. C'est un aspect que je remarque. Et une autre chose que je remarque aussi au niveau de cette île, c'est plat. On n'a pas de côte et tout ça. Quelqu'un qui veut commencer à courir, c'est l'idéal. Désavantagé pour celui qui s'en va faire des marathons à travers le Québec parce qu'on n'est pas habitué de travailler en côte. Ce qui est difficile quand tu cours à cette île, c'est que tu cours pas mal tout le temps sur le planche. Fait qu'il faut que tu essaies de te pratiquer un petit peu dans les côtes parce que quand tu changes de place, là, ça devient difficile. Là. Comme là, je viens de passer une semaine chez ma mère puis je suis allée courir dans les côtes. J'ai fait des côtes en masse. Sinon, ce que je trouve vraiment le fun, c'est les sentiers dans les bois. À cette heure, il y a comme plein de sentiers dans les bois. Comme, tu sais, il y en a à l'idée, il y en a proche des plages, tout ça. Puis aller courir là-dedans, là, ça, c'est, tu sais, mettons, t'es là, toi, tu cours sur l'asphalte depuis un bout. Tu es là, OK, je vais faire un 5 km, puis tout. Puis là, tu vois une trail dans les bois. Là, tu fais, OK, je vais l'essayer. Là, tu pars. Ça, c'est quelque chose que dans les grandes villes, tu peux comme un peu moins faire, puis tout. Fait que... Puis la mer aussi. La mer, courir sur le bord de la mer, je pense que c'est quelque chose aussi de bien fait. C'est sûr, quand j'ai un gros entraînement pour un marathon, je te dirais que je vais faire des sorties de 4 à 5 fois par semaine. Je compense 2 jours pour essayer de faire d'autres choses. Comme là, c'est comme je vous ai dit tantôt, je commence à faire de la piscine un peu, je commence à faire du bicycle un peu. Donc, pour la course, c'est vraiment, là, à cet instant-ci, c'est vraiment 3 à 4 fois par semaine de course. Donc, 3 entraînements très spécifiques. Les autres, c'est vraiment essayer de faire un peu de course, plus de volume, faire de distance pour me préparer à un marathon. Étant donné que j'ai 2 jeunes enfants, ben je peux partir quand je veux. Fait que c'est sûr que tu sais, c'est pas cané dans le temps. C'est pas un entraînement que je suis obligée d'aller à telle heure. Fait que ça, j'adore ça. Puis une deuxième chose, c'est que ça me vide la tête. Ça me fait du bien de commencer mes journées ou de finir mes journées en courant. Fait que souvent, avant de travailler, c'est sûr que je peux pas faire plus qu'un 10 km parce que
Je travaille à 8 heures, là. Mais, tu sais, j'essaie de faire un 8 ou un 10. Puis, parce qu'après ça, j'ai une séance d'étirement, là, que je peux pas laisser tomber, là. C'est dans les rues tôt le matin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'automobiles. Je dirais qu'au début, je courais le soir, là, puis c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Là. Les gens, ils font un angle mort juste d'un côté, mais ils ne regardent pas de l'autre. Fait que j'ai vraiment failli me faire frapper 2-3 fois. J'ai pas vraiment de parcours précis, je te dirais, mais celui-ci, en fait, le parcours des métallos, comme qui s'en va vers les plages, ça doit être un des parcours que j'ai le fait le plus parce que il était proche de chez mes parents. Puis en même temps, bien, j'aime ça beaucoup. T'sais, juste me rendre aux plages, revenir, c'est quand même, tu sais, c'est 30 minutes de course, puis c'est vraiment le fun. Le marathon est né. Il y avait une course ici auparavant qui s'appelait la course Carl Girard. Je faisais partie du comité. J'étais même fondateur. Puis le groupe a décidé une date et la date ne me convenait pas. Donc, je suis sorti du groupe. Ils l'ont fait 2 ans et ça n'a pas fonctionné. Et je leur ai dit, je leur prends en charge et j'ai le goût de le faire. Là, je suis parti le marathon Mamou. Et le marathon Mamou, pour moi, c'était important de l'appeler Mamou parce que j'ai 3 objectifs bien précis au marathon Mamou. Le premier objectif, ça va de soi, c'est de faire courir le monde. Deuxième objectif, c'est de rassembler le culturel. Pour moi, c'est important. Comme Inou, c'est de créer des ponts entre les deux cultures. On vit ensemble, mais on ne vit pas grand-chose ensemble. Et c'est un peu ça que le marathon va amener aussi. Et le troisième objectif du marathon Mamou, c'est vraiment de promouvoir la culture Inou, de nous faire connaître comme peuple. La première année, toute la piste cyclable du parc Bas-Parlant. Mmh. C'était un 4 tours aller-retour pour faire un marathon. Et à un moment donné, on l'a changé. Ça fait depuis ce temps-là qu'on l'a changé, puis on est resté de même. On part en arrière des galeries montagnaises. Les marathoniens partent tout de suite, puis s'en viennent faire la piste cyclable tout au complet, reviennent sur leur pas jusqu'aux galeries montagnaises, passent sur le boulevard Montagnais, descendre un peu la rue du Vieux-Poste, qui s'appelle la rue Chamani. Après ça, on va prendre un peu Chapadèche et passe sur la rue Arnaud, va jusqu'au bord de la rue Arnaud et viennent prendre la rue Monseigneur Blanche, Brochu, Réti, pas loin de Bébé Marine, pas loin du train. On revient et on vient à nos pas jusqu'aux galeries. Ça fait 21 km. Pour celui qui va faire un marathon, c'est 2 tours. Celui qui fait un demi-marathon, c'est 1 tour. Pour les autres coureurs, mettons les 5-10 km, ils vont tout de suite sur la rue la rue Arnaud pour faire le 10, le 5 et le 2,5 km. Et c'est un peu le parcours. Puis je pense qu'il est là pour rester. Éventuellement, on pense à d'autres choses, mais pour l'instant, c'est bien pour les années à venir. J'ai fait un 10 km, je pense, une ou deux fois. Mais je te dirais que mes objectifs, c'est que... j'ai fait le 5 km au marathon Mamou. J'aimerais ça l'année prochaine faire un 10. Puis l'autre d'après, si je suis capable, j'aimerais ça faire un 21. Je sais pas si je vais me rendre un 42, mais là, mettons, l'objectif à long terme que je vois, là, c'est faire 21 km au marathon Mamou. Ça serait vraiment le fun. Un des premiers conseils que je donne souvent, c'est d'aller progressivement, lentement et sûrement. C'est mon proverbe dans la course à pied, tranquillement, parce qu'on a tendance à aller trop vite. Par exemple, les gens me parlent de 10 minutes de course, c'est beaucoup trop. Quelqu'un qui commence à courir. C'est de faire des intervalles, 1 minute de course, 1 minute de marche, puis éventuellement augmenter à 2 minutes, 1 minute de marche, puis éventuellement se rendre à 10, 15, 20 minutes avant. Puis en même temps aussi, ce que j'ai vécu, moi, la première, quand j'ai commencé à courir, c'est de trouver un ami qui connaît ça, qui pourrait te conseiller. Parce que j'étais complètement seul les premières années, puis je me suis souvent blessé. Donc, c'est trouver quelqu'un. J'offre mes services souvent aussi à ça, là, des gens
qui commence à courir pour avoir des conseils, je suis là aussi. Là. Donc, c'est de trouver un ami qui va t'aider, qui connaît ça, puis te donner des conseils, puis aller progressivement, très, très progressivement. Je le dis souvent, la course à pied, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup, donc il faut aller très lentement au début. C'est un sport individuel, mais c'est le fun de courir avec du monde. C'est le fun de courir en gang de temps en autre. Moi, j'aime beaucoup courir en gang, c'est de se faire des amis là-dedans. Je me rencontre les gens avec qui je rencontre dans toutes les courses que je vois. Même dans les marathons, je rencontre du monde là-dedans. On se parle, puis on jase. C'est sûr qu'à un moment donné, on rencontre plein de monde là-dedans. Puis l'effet de courir ensemble, ça nous demande aussi d'aller plus tranquillement, de prendre le temps de jaser aussi. C'est pas toujours pousser le corps au maximum, c'est de prendre le temps de courir, prendre le temps de jaser avec le monde, puis relaxer un peu au niveau de la course à pied. Ce matin, j'avais comme un down, je sais pas ce que j'avais, là. Et puis j'avais besoin de quoi pour essayer de me réveiller. Je suis parti courir. Ça peut être un besoin psychologique, un besoin physiologique. Aujourd'hui, c'est physiologique beaucoup mon affaire, là, parce que mon corps en a besoin toujours. Et puis, c'est le trip aussi de plus en plus de s'amuser là-dedans, puis j'aime ça aussi, puis j'ai besoin de ça. L'an passé, on était 600. La première était 200 personnes. Donc, ça augmente beaucoup. Mais d'après moi, l'an prochain, ça va augmenter encore plus. Puis la première année, on l'a faite en même temps que le festival Vieux-Coup en fête. Puis depuis les deux dernières années, on le fait en arrière des grèmes montagnaises. On court dans le boisé aussi, qui est très agréable. Les gens ont apprécié beaucoup le parcours là-dessus. Mm-hmm. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui courait à cette île au Marathon Mamou, justement. J'étais comme pas au courant de tout ça, là, de à quel point c'était populaire et tout. Puis je trouvais ça le fun. Mais ça reste que, tu sais, cette île, c'est un grand territoire, puis il y a quand même pas mal de population, mais pour comment que c'est grand, il n'y en a pas tant que ça, puis tout. Fait que tu peux quand même toujours courir, mettons, dans les trails ou sur des routes comme celle-là, les métallos, puis tout ça, puis tu croiseras pas tant de gens souvent. Tu sais, tu ne planteras pas dans quelqu'un, c'est sûr. Il y a eu un effet d'entraînement, là, tu sais, parce que, tu sais, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, c'est sûr qu'il n'y en avait pas autant. Puis c'est ça, je pense qu'il y a eu un effet d'entraînement. Les gens, ils ont comme contaminé les autres. Avec les deux communautés, tout le monde court. Puis tu sais, c'est comme... tu sais, c'est rassembleur, là. Tu vas faire un 2,5 km, mais si t'es pas capable de faire un 21, tu vas juste courir un petit peu, puis c'est intéressant. Il y en a qui font la marche. Moi, je trouve ça vraiment intéressant comme événement. Beaucoup de monde, de plus en plus, à la course. Donc, un événement récurrent chaque année qui est là. Donc, ça motive les gens à dire, l'an prochain, je vais être là. J'ai marché cette année, l'an prochain, je vais le trouver. Cette année, je fais un 5, l'an prochain, je ferai un 10. Toujours de dire qu'on va essayer de se dépasser toujours. Puis finalement, j'ai adoré ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde, tout ça. Puis c'était le fun de jaser avec les gens. Comment c'était organisé, c'était super bien fait. J'ai vraiment été impressionné d'un tel événement, sincèrement. Là. Puis ce que je trouve le fun là-dedans, les deux communautés embarquent beaucoup. Quand je parle des deux communautés, je parle du conseil de bande de chez nous. Je parle aussi de la ville de cette île. Je précise que la rue Arnaud est fermée au complet. C'est la ville de Sept-Îles qui nous a suggéré de faire ça. Donc, ils veulent embarquer dans notre projet, puis je trouve ça le fun. Et donc, les deux communautés, les deux municipalités travaillent les mains ensemble pour ce marathon-là. C'est bien pour une ville comme Sept-Îles, mais j'aimerais ça mener à atteindre 1500, 2000. C'est toujours l'objectif que j'essaie de donner toujours de plus en plus de coureurs chez nous pour les prochaines années. Puis de dire que le marathon est là, pour y rester. Je vous le dis, il est là pour rester. Je pense que aussi longtemps que je vais être à cette île, je pense qu'il va rester.
la course aux couleurs était un peu... c'est sûr que c'est tout dans toutes ces activités-là. Je parle du course aux couleurs, le défi Mamou, la course aux couleurs Mamou que j'appelle aussi. Je voulais partir une autre course. Je ne sais pas comment ça va aller. La semaine prochaine, il y a une course aussi obstacle à Maliutenam. Je fais partie encore de ce comité-là. Toujours le Mamou qui est toujours là. C'est Roger Vachon qui est là, qui veut que je sois là aussi. Course aux couleurs est partie indépendamment du marathon Mamou, mais les gens voulaient partir ça, mais ils voulaient m'avoir comme... Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je prends beaucoup de notoriété au niveau de la course à pied à cette île, puis les gens ont besoin de moi là-dedans. Et j'ai embarqué là-dedans. Je vous l'avoue, la course aux couleurs, là, j'étais un peu pessimiste. Une femme, Julie Vigneault, m'a invité à un moment donné, « Roger, on va aller faire la course aux couleurs à Québec. » J'ai dit « Oui, on va le faire. » Mais je n'étais pas trop en faveur de ça. Courir pour s'amuser, moi, là, c'était pas dans ma tête. Puis, ça fait 2-3 ans, puis je trippe. Je l'ai vu qu'il y a des gens là-dedans qui n'étaient pas habitués de courir, ils l'ont fait dans la marche pour s'amuser, donc pour tripper un peu, puis je pense que c'est encore plus ouvert que le marathon Mamou, donc les gens viennent là pour vraiment s'amuser puis marcher. Sachant qu'il n'y a pas de chrono, les gens sont plus à l'aise. Il n'y a pas de chronométrage, pas de calculage, puis on s'en vient. J'ai trippé une course. C'est quand le marathon Mamou? T'sais, déjà, les gens m'ont posé des questions. Quelques personnes qui voient ça puis trouvaient le fun de voir ça puis de dire que c'est possible de faire d'autres choses à cette île. La course à pied enlève beaucoup de barrières. Il n'y a plus de classe sociale. Il n'y a pas d'inou, il n'y a pas de blanc. C'est tous tes coureurs qui veulent courir ensemble. Le sport aussi amène à se rassembler, à enlever les barrières puis de vivre des choses ensemble. Ça porte de loin cette idée-là d'essayer de rassembler les gens à travers les cultures. J'ai fait des tournois auparavant de hockey bottine chez nous, des tournois de balle d'été, les tournois. La course a embarqué dans ma vie. Là, j'ai dit, je vais mettre mon expérience d'organisateur et de coureur pour faire des événements de course. Donc, c'est toujours l'idée que je porte souvent, c'est de rassembler les gens ensemble. Puis, ça enlève vraiment l'idée de culture. Puis les gens, même, je trouve un autre exemple que je trouve le fun. Je fais des entraînements dans ma communauté. Et il y a beaucoup de non-autochtones qui viennent s'entraîner à la réserve. De voir des non-autochtones venir dans ma communauté, pour moi, c'est un gros pas qu'ils font. Je trouve ça le fun, puis je trouve ça intéressant de voir des gens qui viennent sentir à l'aise, venir dans ma communauté, puis s'entraîner avec moi.